Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Jésus est vivant. Ce psaume et écouter la parole du Seigneur. Que Dieu soit réellement béni. Nous lisons le psaume chapitre 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture
à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. I'm an eagle, I can fly. I am good. I'm an eagle, I can fly. I am good. I go where I see. I go where I go the where I see. Sois glorifié, notre Père. Que ce nom merveilleux que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir soit béni, Père. Gloire te soit rendue. Tu es vraiment digne de recevoir la gloire, l'honneur, Père Tout-Puissant, oh Dieu. Tout ce qui revient de plein droit, mon bien-aimé Père Dieu, nous te disons merci encore pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu viens d'accomplir encore aujourd'hui, encore pour nous, Père, ce que tu es en train de pouvoir faire encore parmi nous, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Louange et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es le véritable, mon bien-aimé Seigneur, et nous sommes vraiment dans le véritable, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu, parce que tu es réellement le Dieu véritable. Tu accomplis ce que tu as réellement annoncé d'avance, mon roi, et tu es vraiment fidèle à ta parole, à toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, quel grâce de voir réellement avoir un tel Dieu, un tel sauveur comme tu es, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous marchons avec toi et nous sommes heureux, Seigneur, de réellement marcher, être conduit par un tel roi. Oh, tu es merveilleux, mon bien-aimé Père Tibissant, par ta façon à toi de pouvoir faire les choses, mon Dieu, par ta conduite à toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu fais les choses avec une manière tout à fait particulière, mon roi. Tu es réellement spécial, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, tu es digne d'être réellement craint, respecté, honoré, Père Tibissant. Oh, tu reçois notre loi, mon bien-aimé Père Dieu, nos supplications.
bénissons aussi, mon bénévole Père, oh Dieu. Merci, Maître béni. Merci, toi qui es le rédempteur, mon bénévole Père Tissant. L'auteur de notre rédemption, mon bénévole Dieu. L'auteur de notre salut, mon bénévole Père Tissant. L'auteur de notre foi, mon bénévole Père Tissant. Nous, tout vient de toi, mon bénévole Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Père. Merci d'avoir créé les cieux de la terre. Merci d'avoir préparé, Père Tissant, Dieu, la nature tout entière, mon roi. Sois béni et sois craint, respecté de tout le cœur, mon bénévole Père Tissant. Dans les cieux, sous la terre, sous la terre, que ton nom soit toujours élevé, Seigneur. Oh, qui pourrait être comme toi, mon bénémoine, Père Tibissant? Il n'y a pas de comparaison, mon bénémoine, Seigneur. Tu ne peux pas être, Seigneur, tu es le seul, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Merci parce que tu es vraiment l'unique, mon bénémoine, Père. Merci pour tout ce que tu fais, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Merci pour ta présence glorieuse et divine encore, Père, oh Dieu. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci réellement pour ta miséricorde à notre endroit, bénémoine, Père Saint, parce que ce matin, tu nous as encore pardonné, bénémoine, Père Tibissant. Tu as pardonné à chacun de nous, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Nous nous tenons à la présence d'un Dieu qui est roi, qui est saint, qui pardonne, mon bénémoine, Père Dieu. Je défie encore, mon bénémoine, Père Tibissant. Mon âme te loue et te glorifie et t'exalte, mon Seigneur. Pour ta bonté à l'endroit de ton peuple, encore, mon bénémoine, Père. Nous sommes soumis qu'à toi, mon bénémoine, Père. Obéissant qu'à toi, mon bénémoine, Père Tibissant. Ne servant que toi, mon bénémoine, Père. Nos yeux ne sont fixés que sur toi. Merci vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ta bonté et ton amour. Merci, notre frère Christian, Père. Que tu le bénisses richement. Merci. Oh, tu es vraiment Dieu de pouvoir agir encore davantage, mon roi. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Je donne encore une année de plus, mon bénémoine, Père Tibissant. Qu'il en soit béni, Père, qu'il en soit aussi fortifié. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Béni sois-tu encore pour chaque frère et chaque sœur en cet endroit, pour ceux qui travaillent, à chaque vie de Père Saint-Dieu. Nous t'en remercions. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour le psaume. Merci pour l'adoration. Merci pour chaque frère et sœur qui sont en connexion encore ce matin, pour tous nos frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près. Qu'ils soient aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Il est digne d'être loué, d'être adoré et glorifié aussi, parce qu'il est vivant, comme il a dit, puisqu'il vit. Nous aussi, nous avons la grâce de pouvoir aussi vivre. Qu'il soit votre force, aussi votre appui, et aussi votre secours. Comme il est toujours présent, il a dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous sommes fortifiés par ce sauveur parce qu'il nous a toujours témoigné que tout ce qu'il pouvait dire et annoncer, il veille lui-même sur cela. Nous pouvons regarder depuis les temps anciens jusqu'à ces jours, nous pouvons carrément lui dire qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il a dit lui-même aussi que le Dieu de nations, ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont aussi des oreilles et ils n'entendent point. Mais l'Éternel, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, il a les yeux et il voit. Il a les oreilles et il entend. Mais il a aussi une bouche et il parle. Nous le remercions parce qu'il est vraiment vivant. Nous l'avons entendu dans les psaumes, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte. Si l'Éternel est notre Dieu, alors nous sommes le plus heureux, nous sommes le peuple le plus béni. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, de pouvoir réaliser combien sur cette terre, lorsque nous pouvons observer effectivement aussi la manière dont les choses se passent, et de voir que réellement qu'il y a quelque chose de tellement si frappant, c'est qu'il y a deux dimensions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. La première dimension, c'est celle dans laquelle nous sommes, où nous pouvons faire effectivement comme tout être humain le fait et vit comme tout être humain peut vivre aussi et penser comme tout être humain pense. Dans les limites du raisonnement de chaque être humain et dans les domaines, effectivement, du toucher. Ça, tout le monde qui est sur la terre est d'accord de pouvoir que je ne crois que ce que je vois. Mais maintenant, il y a une autre dimension. C'est là, pour pouvoir y être dans cela, mon frère et ma soeur, c'est cela la grâce que nous avons. Vous savez, et dans cette dimension-là, il faut que vous puissiez y être. Mais pour y être, il faut y naître. Parce que si vous n'êtes pas né, de telle manière aussi que pour être dans cette dimension terrestre,
Tu ne peux pas venir dans le monde comme ça, non. Il faut que tu naisses dans le monde. Et t'es né dans ce monde, effectivement, alors nous comprenons les choses du monde. C'est là qu'on voit la différence, mon frère et ma soeur, entre la foi et le raisonnement. La manière dont nous concevons les choses. Parce que c'est là que la différence se fait, mon frère et ma soeur. Parce que, étant dans ce monde, effectivement, nous sommes venus par ce moyen par lequel vous connaissez tous et que nous appartenons à ce monde. Et les saintes écritures nous le disent et nous le rappellent encore. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela dans 1 Corinthiens 15, qui nous dit, mais de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, parce que nous sommes venus des terrestres, effectivement, et nous vivons comme des terrestres, nous mangeons comme des terrestres, parce que nous sommes nés du terrestre. Donc, on ne peut avoir qu'un comportement du terrestre, un raisonnement terrestre. Donc, terre à terre, comme on peut le dire, effectivement, c'est lorsque nous ne pensons que ce que nous voyons. Nous ne réfléchissons que la manière dont nous voyons les choses. Et alors là, effectivement, nous sommes considérés comme étant des humains. Un être humain qui réfléchit comme un être humain, qui travaille comme un être humain. Mais maintenant, il s'agit effectivement de rentrer dans une autre dimension. Dans ces dimensions-là, il ne s'agit pas de l'humain maintenant. Ah oui, ça c'est tout à fait. Parce que dans cette dimension-là, il n'y a pas des humains. L'humanité, c'est sur la terre. C'est pour ça qu'il fallait une naissance terrestre des humains. Mais dans cette autre dimension-là, non, monsieur, cela ici est quelque chose de très important, et pour toi, et pour moi. C'est là qu'on comprend pourquoi nous sommes dans un combat. Parce que nous sommes renfermés dans quelque chose. C'est dans cette couverture dans laquelle nous sommes. Mon frère et ma soeur, il est absolument nécessaire que nous réalisions que, c'est vrai, nous avons tellement joué nous-mêmes. Même si nous ne voulons pas l'admettre, mais notre subconscient, notre fort intérieur, nous avons joué aux choses que nous ne pouvons même pas jouer avec. On ne peut pas se faire chrétien, on ne peut pas se faire croyant. Non, monsieur, on devient croyant parce qu'on a toujours été croyant. Parce qu'il n'y a pas notre voie, notre moyen. C'est parce que j'ai toujours été comme cela. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, qu'il faut qu'il y ait un temps où qu'on puisse mettre stop à toutes ces choses des enfantillages, effectivement. Frère, non. Il ne s'agit plus de jouer comme des gamins, comme des gamines. Il s'agit maintenant de prendre conscience de ce que nous sommes. Qui tu es, mon frère? Qui tu es, ma sœur? Parce que ces temps-là doivent passer. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Frères et sœurs, il n'y a plus d'issue. Comment envisagez-vous vos lendemains avec le coronavirus? Mais frère, ce n'est pas une chose pour que... Non, c'est parce que je veux que vous puissiez comprendre les choses. Parce que parfois, vous dormez, vous pensez qu'effectivement, mais il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Ou soit vous savez effectivement ce que vous devez faire, ou soit vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'il faut, prendre conscience effectivement de votre état. Vous voyez bien, frères et sœurs, dans les saintes écritures, il y a une écriture qui est claire et qui est vraiment d'une manière assez claire, dont chacun de nous peut se réveiller. Il dit, lève-toi. À qui s'adresse-t-il? Et puis il dit, sois éclairé. Amen. Et puis plus bas, il dit, mais la terre entière et tout est dans les ténèbres. Donc tout le monde est dans les ténèbres. Il dit que sur la terre, les ténèbres sévit. Mais il dit, mais sur toi, frère, sœur, il faut s'identifier. Il dit, sur toi, pas sur un, mais sur toi. Alors le toi là, c'est qui? Alléluia! Est-ce ton voisin ou bien c'est toi? Mon frère et ma soeur, ne sois pas en dehors de ce que Dieu fait. Tu dois être conscient que je dois être dedans. Je dois être sûr et certain que tout ce que Dieu fait aujourd'hui, dans mon temps, cela me concerne.
Je ne peux pas me sentir extérieur. Je dois me sentir qu'effectivement que je suis dans la chose dans laquelle effectivement je suis appelé à pouvoir me retrouver. Être conscient qu'effectivement que non. Vous vous souvenez, frères et sœurs, lorsque les temps étaient accomplis ou lorsque le Seigneur avait à dire par la bouche de Jérémie, les prophètes, que les 70 ans devraient donc passer à ce qu'ils soient toujours dans l'exil, effectivement, ainsi de suite, effectivement, vous connaissez cela, après donc 70 ans, donc vous allez être ramenés. Lorsque le 70 ans se sont accomplis, c'est Dieu qui connaît les temps. Tous ceux qui étaient des dieux, alors que les autres peut-être étaient en fait d'être occupés à pouvoir penser à d'autres choses, effectivement. Ah, Daniel, alla par les livres, effectivement, et il vit que oui, les temps étaient donc arrivés, et le Seigneur, son esprit nous a révélé, il comprit par les saints écritures, voici donc le temps. Et alors là, le Seigneur révèle l'esprit de Darius. Et qui fit faire par écrit, effectivement, quoi? Mais que Jérusalem, il devait retourner là-bas, parce que le temps est déterminé. Même si les gens disent que non, effectivement, mais Dieu a dit, mais qu'il n'est pas là. Non. Le Seigneur a une chose particulière. C'est sa fidélité. Il est fidèle pas à toi, ni à moi. Non, il est fidèle à lui-même. Gloire à Dieu. La Bible dit que son nom est fidèle. C'est pour ça qu'il reste fidèle malgré notre infidélité. Il reste fidèle à sa parole. Parce qu'il est fidèle, son nom est fidèle. Son nom est aussi la parole de Dieu. Nous le savons. Jamais, jamais il peut dire une chose et oublier ce qu'il a dit. Quand il a dit, lève-toi, tu n'as pas resté assis. Non, tu dois prendre possession. Il dit, lève-toi, tu as été choisi, tu as été élu pour ne pas marcher dans les ténèbres, monsieur. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Quand tu te lèves, alors tu es éclairé. Mais quand tu es assis, les ténèbres te couvrent. C'est pour ça que ça fait la différence. Je me lève et la lumière m'éclaire. Oui, monsieur, parce que Dieu envoie la lumière pour toi. Il a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Gloire à Dieu, honneur au Seigneur. Au temps du soir, nous sommes à la Odyssée. C'est le soir. Gloire au Seigneur, mon frère, ma soeur, où es-tu? C'est dans ces temps ici que ta lumière à toi doit être manifeste, mon frère. Gloire à Dieu, si les hommes ont peur, moi j'ai le courage. Gloire à Dieu, honneur au Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dieu t'a élu pour ce temps. C'est pourquoi l'Écriture dit à celui qui vaincra. Il faut qu'il y ait l'obstacle pour que tu combattes. Alléluia. Oui, monsieur, il est fort. Regardez David. Regardez David. Il y avait cet obstacle immense. Tout le pays des Philistins, il y avait ces géants, Goliath, qui naguait le peuple. Les autres tremblaient. Même Saül tremblait. L'armée tremblait parce que Saül lui-même avait perdu foi et du courage. Mais il y a un petit bonhomme qui est venu. Frères et sœurs, c'est ça un élu, monsieur. C'est ça un élu, ma soeur. C'est important, le petit bonhomme est venu. Alors que tout le monde était en tremblement, ils avaient peur, les géants terrassaient. Quand le petit bonhomme a entendu qu'il s'agissait de son Dieu, il dit là, les choses sont différentes. Alléluia. Alléluia. Parler de son Dieu, de l'armée d'Israël, comme si Dieu était faible. Il dit non. Si ça a eu le tremble, il y a un David.
Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux relever les défis aujourd'hui. Gloire à Dieu. Honneur au Seigneur. Alléluia. 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 Ce que les hommes ont peur, toi lève-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un puissant conquérant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'a jamais perdu de bataille. Il est toujours le puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Lève-nous, frère. Lève-nous, lève-nous.